Le droit civil et commercial, définition d'une personne physique, d'une personne morale. Le cadre juridique dans la création d'une entreprise. Daniel, tout d'abord, qu'est-ce qu'une personne physique ? Alors, effectivement, lorsqu'on crée une entreprise, on va distinguer deux personnes. La personne physique, vous et moi, on va s'identifier par notre état civil, et la personne morale. La personne morale, elle va s'identifier par ce qu'on appelle les statuts ou contrats constitutifs. Alors, je suis marié, pas marié, je fais un contrat, pas de contrat. Quelle est l'incidence sur mon entreprise ? Il est vrai que lorsqu'on crée une entreprise, il est préférable d'avoir un contrat de mariage. Maintenant, il existe donc le mariage sous le régime de la communauté, ce qu'on appelle aussi la communauté réduite aux acquêts. Et il y a le contrat de mariage, donc la séparation de biens. Alors ça, ce sont les plus utilisés, bien sûr. Il y a d'autres régimes. Ce régime, je peux en changer. Je crois que sous une période, il est possible de changer de régime. Oui, on peut changer de régime matrimonial dans un délai de 2 ans. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'un commerçant ? Alors, le commerçant, c'est la personne qui effectue des actes de commerce de manière indépendante et individuelle. De quoi est composé son fonds de commerce ? Le fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce, il est composé d'éléments corporels que je peux toucher et d'éléments incorporels. Alors, vous verrez en gestion comment on distingue les éléments incorporels du fonds de commerce. Alors maintenant, soit je suis propriétaire de mon local dans lequel j'exerce mon activité, ou alors je loue un local. Là, bien sûr, je vais avoir un bail commercial. Oui, voilà. Soit vous êtes propriétaire, donc c'est privatif, ou bien le bail. Il existe deux baux. Nous avons le bail précaire ou on a ce qu'on appelle le bail classique, le 3-6-9. Alors, est-ce que le propriétaire a le droit de me mettre dehors à n'importe quel moment ? Non, sauf si vous ne payez pas les loyers, si vous ne respectez pas, mais sinon, non. Il faut savoir qu'un propriétaire ne peut pas mettre dehors un locataire. Si malheureusement il est obligé pour des raisons quelconques, eh bien, il se doit de vous verser ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Pour cela, il y aura une valorisation du fonds de commerce pour déterminer le montant de l'indemnité. Alors, je suis locataire. Ai-je le droit de domicilier mon entreprise chez moi ? Oui, vous avez tout à fait le droit d'avoir le siège social à votre domicile, à condition que ce soit votre habitation principale et que vous soyez l'occupant, bien sûr, et bien entendu qu'il n'y ait pas de démarchage pour ne pas gêner les autres occupants des autres appartements. Vous avez dit mon entreprise, mais ça peut être aussi une société ? Alors, en ce qui concerne la société, au niveau donc des appartements, en principe, ça peut être limité à 5 ans. En tant qu'entreprise ou société, j'ai des obligations comptables. Oui, notamment dans le transport, vous avez une obligation, c'est d'avoir un expert comptable, puisque c'est lui qui va certifier chaque année que vous remplissez toujours les conditions, notamment de capacité financière. Alors, nous avons vu que la prescription dans le domaine du transport, elle est de 1 an. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la prescription et est-ce que vous pouvez donner le délai dans le domaine commercial ? Oui, alors prescription, c'est dès lors qu'il y a litige, puisque la prescription, c'est pour mettre un terme à une action. Donc, la prescription, c'est le délai au-delà duquel il y aura extinction de droits et de peines. Lorsqu'il s'agit d'un litige né du contrat de transport, le délai de prescription est de 1 an. Pour les autres commerces, c'est 5 ans, ce qu'on appelle la prescription commerciale. Alors, je crée mon entreprise, j'obtiens ce qu'on appelle le CABIS. Est-ce qu'il y a d'autres identifiants pour mon entreprise ? Oui, vous allez avoir les identifiants qui vont être donnés par l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques. Donc, lorsque l'on va s'inscrire auprès du registre du commerce, par le greffe du tribunal de commerce, on va nous attribuer un numéro de sirène, le sirène qui détermine le système informatique de répertoire des entreprises, 9 chiffres. Il y a également le numéro de SIRET, système informatique de répertoire des établissements. Il sera composé des 9 premiers chiffres du SIRET plus 5 autres chiffres, ce qui fera au total 14 chiffres.
vous sera donné également, en fonction de l'activité, ce qu'on appelle un code APE ou aussi qu'on appelle le code NAF. Il va déterminer l'activité principale exercée. Dans le transport, c'est un code à 4 chiffres plus une lettre. Nous avons également le numéro de TVA intracommunautaire. Oui, il y a le numéro de TVA intracommunautaire qui est obligatoirement donc porté sur tous les documents, notamment les factures. Alors, dans le registre du commerce et des sociétés, il y a des lettres A, B, C, D. Oui, lorsqu'on vous attribue votre numéro de registre du commerce et des sociétés avec le numéro de sirène. Devant, il y aura une lettre A, B, C ou D. Vous allez retenir A ou B. Ces lettres-là dépendent de la structure juridique. Si vous avez la lettre A, ça voudra dire que vous avez créé une entreprise individuelle ou une entreprise en nom propre. La lettre B, c'est pour déterminer qu'il s'agit d'une société commerciale. Alors maintenant, j'ai mon conjoint qui tout simplement n'est ni salarié ni associé, mais participe au fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que je peux éventuellement prévoir une petite couverture sociale ? Oui, vous pouvez, l'employeur peut toujours, à condition qu'il participe réellement au fonctionnement et que s'il a une activité ailleurs, ça ne dépasse pas un mi-temps. Alors, tribunal de commerce, greffe du tribunal de commerce. Est-ce qu'on peut préciser un peu la fonction de chacun ? Alors, le greffe du tribunal de commerce, il faut savoir que c'est là où on obtient tout ce qui est CABIS. Le tribunal de commerce, lui, il est là pour régler les litiges d'ordre commercial entre commerçants en particulier, mais il faut savoir que le particulier peut demander à être jugé par un tribunal civil. Le greffe du tribunal de commerce enregistre aussi les nantissements. Alors voilà, le greffe du tribunal de commerce, en plus de délivrer les CABIS, lorsqu'il y a des sûretés donc, par du nantissement, eh bien, il faut savoir que le nantissement sera enregistré sur le registre du greffe du tribunal de commerce, bien sûr. Alors j'aimerais que l'on rappelle maintenant la fonction et le rôle du gestionnaire de transport. Le gestionnaire de transport, c'est le titulaire de la capacité de transport. Il a une responsabilité effective, permanente, mais aussi pénale. Donc cette personne doit être en permanence au sein de l'entreprise ? Elle a une responsabilité permanente. Ça ne veut pas dire qu'elle est là 24 heures sur 24. Mais néanmoins, c'est elle qui en assume les responsabilités en cas de litige. Donc elle doit faire partie de l'entreprise. Est-ce que ce gestionnaire de transport est obligatoirement la personne qui est gérante ? Obligatoirement, non. Préférable, oui. Puisque c'est lui qui donc est responsable. Donc s'il n'est pas le gérant, ça veut dire que le gérant doit lui donner tous les pouvoirs. Donc autant être le dirigeant soi-même. Qu'est-ce qu'un abus de bien social ? Alors, l'abus, ce qu'on appelle l'ABS, l'abus de bien social, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent de la société comme son propre portefeuille. Et là, c'est dangereux. Donc, il est important de faire, bien sûr, toujours une facture. Dès qu'on sort de l'argent, je pense qu'il est important qu'il y ait justification de cette sortie par une facture. De toute manière, dès l'instant qu'il y a achat ou vente, il doit y avoir une facture. Cette facture doit être établie en double exemplaire, rédigée en français, avoir un numéro et bien sûr porter le numéro de TVA intracommunautaire. Une facture non pas bien libellée entraîne la non-récupération de TVA aussi. D'accord. Donc le numéro TVA, le numéro TVA intracommunautaire doit obligatoirement être stipulé sur toutes les factures. Mais alors, moi, j'achète. La personne qui me fait la facture ne fait pas correctement ou n'a pas de numéro TVA intracommunautaire. Je risque quelque chose ? Et oui, vous risquez donc déjà de ne pas pouvoir récupérer la TVA puisqu'il n'y aura pas le numéro et vous risquez une amende. D'accord. J'ai parlé de nantissement. Mais peut-on donner la définition nantissement, hypothèque ? Gage ? Voilà, c'est ce qu'on appelle les sûretés ou les garanties que prennent des prêteurs. Évidemment, lorsque l'on prête, on veut des garanties. Il existe les gages, donc vous connaissez le gage sur véhicule qui est enregistré au service des cartes grises. L'hypothèque qui va être enregistrée au conservateur des hypothèques. On peut hypothéquer soit une construction, soit un terrain. Il y a également les cautions, les engagements de personnes. Notamment par la lettre de change, on a la lettre de change avalisée, c'est une personne qui se porte garante. Vous avez également les gages sur titre,
tant de garanties que vont pouvoir prendre les prêteurs. Et le nantissement, c'est-à-dire qu'on va gager le fonds de commerce. Et le fonds de commerce, ça s'appelle le nantissement, qui sera donc inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce. Alors maintenant, imaginons mon entreprise est en difficulté, que ce soit de mon fait ou non. Que se passe-t-il ? Alors, qui dit difficulté d'entreprise dit qu'on a des problèmes de trésorerie. Ces problèmes de trésorerie peuvent entraîner trois choses. Est-ce que c'est un problème passager ? Donc, on n'est pas ce qu'on appelle en état de cessation de paiement. Donc, ce sera du règlement amiable. Ce sera pour but donc, de pouvoir obtenir des délais chez les fournisseurs et essayer de récupérer plus vite l'argent chez les clients. Maintenant, l'entreprise peut se voir être en état de cessation de paiement, c'est-à-dire que sa trésorerie ne suffira pas, même si on fait rentrer l'argent, ça ne suffit pas à payer toutes les dettes. Donc là, soit on peut être en redressement judiciaire s'il y a possibilité de se redresser, d'avoir une restructuration, ou si on est beaucoup trop endetté et qu'on n'a pas de garantie, on va vers la liquidation judiciaire. Alors, la liquidation n'est pas prononcée immédiatement. Est-ce que lorsque l'on a un administrateur judiciaire de nommer, il vous laisse un délai pour pouvoir vous retourner ou pour pouvoir essayer de sortir la société d'une ornière ? Oui, on peut être en observation pendant 3 voire 6 mois. Ça peut être même, dans certains cas, prolongé. Quel est le sort des créanciers ? Alors, lorsqu'on est en redressement judiciaire, c'est-à-dire que l'activité continue, le sort des créanciers, nous allons geler tout ce qui est créance, c'est-à-dire que seront prioritaires juste les créances nées après le jugement de redressement. C'est-à-dire tout ce qui est antérieur, pour l'instant, c'est gelé. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la liquidation judiciaire, eh bien, viendront en priorité les créances de l'État. Puis ensuite, les créanciers, ce qu'on appelle chirographaires. Alors, quel est le sort du chef d'entreprise dans tout ça ? Alors, le chef d'entreprise, quand il est en règlement amiable, il ne perd aucune décision ni gestion d'entreprise. Maintenant, quand il est en redressement et liquidation, il va perdre la gestion de son entreprise. Il va être ce qu'on appelle, entre guillemets, sous tutelle. Qu'en est-il, Daniel, de la banqueroute ? La banqueroute, c'est de l'abus de confiance. C'est-à-dire que le chef d'entreprise continue à verser des salaires, continue à payer, alors que l'entreprise n'en a pas les moyens du tout, du tout. Alors, nous voyons bien que dans le droit civil et commercial, il y a des règles bien précises à respecter de la part du chef d'entreprise. Nous avons rappelé également sa responsabilité pénale dans l'entreprise. Je vous remercie pour toutes ces précisions, Daniel.